à ce que tous les enfants se lavent correctement les mains avec du savon ou de la cendre après les moments critiques, pour les protéger contre les différentes maladies des mains sales, car ils en sont victimes. 2. Au gouvernement, de bien vouloir élargir ses programmes dans tous les milieux ruraux, urbains et dans toutes les écoles primaires et secondaires pour que les enfants vivent et grandissent dans de bonnes conditions, comme le stipule l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui, je cite, « L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et l'État a l'obligation d'assurer les soins médicaux, car ces derniers sont l'avenir de demain. » Merci. Voilà, chers téléspectateurs, chers invités, chers enfants reporters, c'est ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Nous aurions bien voulu continuer, vous laisser le temps de poser toutes les questions que vous avez bien apprêtées, mais malheureusement, le temps nous a pris de court. Nous terminons ici notre émission. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre temps pour suivre cette émission. Et nous pensons que vous avez retenu tout ce qui a été dit ici par rapport à l'importance du lavage de mains au savon ou à la cendre, avec de l'eau propre. Et nous pensons que vous fêtez avec nous cette grande journée. Et cette, comme vous savez, on nous dit qu'avec ça, nous évitons beaucoup de maladies. C'est pour la santé de nos enfants qui grandissent, qui vieillissent. Voilà, c'est la fin. Merci bien. Au revoir et à la prochaine. La voix de l'enfant. La voix de l'enfant. La voix de l'enfant. Pour un comodine des enfants. Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yo kabiso, hey. Nous sommes.